Yahoo petit bancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga. Donc je vais te parler de Kamen Black Teacher, qui est un manga des éditions Pika dans le genre seinen. Nous sommes dans un manga qui est dans le genre action, étrange vie. L'œuvre date quand même de 2013 au Japon et de novembre 2015 en France pour son premier volume. La série s'est terminée il y a peu en France. Nous sommes donc avec un manga de Toru Fujisawa, l'auteur pour la série la plus connue de GTO. L'auteur a écrit bien notre série bien entendu, et j'en ai quand même présenté quelques-unes sur la chaîne. Donc voilà. Donc en ce qui concerne la qualité des dessins, je vais t'en mettre plusieurs de tous les personnages principaux, enfin pas mal de personnages principaux tout au long de la série. En ce qui concerne la qualité des dessins, je n'ai absolument rien à dire parce que c'est Toru Fujisawa et je suis juste accro à ses dessins. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à redire. Je les trouve juste parfaits. En ce qui concerne la série, par contre, tu vas voir que mon avis a changé plusieurs fois. Donc, je t'explique. Donc, quand j'ai vu tout simplement, parce que je ne suis vraiment pas les actualités japonaises de ce que font les auteurs, je ne prends pas le temps tout simplement parce que j'ai déjà trop de choses à faire et que tout ce qui concerne le manga est déjà beaucoup trop d'informations pour en plus aller chercher ce que font les auteurs au Japon, leurs projets, leur actualité, tout ça. Donc honnêtement, je ne suis pas. Et donc quand j'ai découvert que les éditions Pika proposaient une sorte de suite à Kamen Teacher, je me suis posé la question honnêtement, donc du coup en novembre 2015, si la série allait réellement m'intéresser. Mais comme c'était au Fujisawa, tu vois, ça aurait été un autre auteur, je me serais un petit peu moins penchée dessus. Mais comme c'était Toru Fujisawa, je me disais qu'il fallait forcément au moins que j'achète le tome 1 pour lui laisser une chance. Donc du coup, en novembre, quand j'ai découvert ça, ou même un petit peu avant, je sais plus, j'ai tout simplement laissé passer les mois pour que la série se termine en France et enfin l'acheter, ce qui a été le cas. Et en ce qui concerne du coup la série, ben, lors du premier volume, je me suis posé la question de est-ce que, avant de lire, est-ce que l'auteur saura faire quelque chose d'intéressant, parce que je ne suis pas forcément adepte des suites. Certes, souvent quand un film ou quoi que j'ai apprécié a une suite, je vais quand même la regarder, mais c'est souvent rare que j'apprécie forcément les suites. Et j'avais peur en fait en même temps quand j'ai découvert ça, l'histoire de Kamen Teacher, et plus les mois passaient, plus j'avais des informations sur la série King's Game, qui faisait des suites et qui prévoyait des suites et des resuites et des resuites et des resuites. Et je me suis posé la question si l'auteur allait pas nous faire la même chose. Donc je me suis quand même laissé passer au niveau des mois pour que la série se termine. Et lors du premier volume, je dois t'avouer que j'ai eu un gros doute sur mon avis et j'avais peur que ça finisse en flop. Tout simplement parce que pour le premier volume, les trois quarts du volume, je me suis vraiment posé la question de est-ce que la série allait être intéressante, parce que le premier volume, soyons honnêtes, c'était assez du copier-coller de la saison 1. En même temps, même si on reprend aussi la série King's Game, c'était à peu près la même chose pour la saison 1 et la saison 2. Mais à la fin du livre 1, il a réussi à me convaincre le livre d'acheter le second, tout simplement parce que finalement il avait réussi à me séduire. Donc au niveau de la lecture du deuxième tome, bah, tout simplement je suis tombée dans le coup de cœur. Voilà, donc tout au long après du tome 2 du coup à 5, c'est devenu tout simplement un coup de cœur. L'auteur a su parfaitement gérer sa saison 2, l'auteur a su parfaitement gérer son histoire, développer la relation des personnages, développer son histoire en soi, tout ça, ça a été géré pardon, à la perfection. Mais en même temps, comme je vous dis, c'est Toru Fujisawa et pour moi... Voilà. Honnêtement, dans tout ce que j'ai lu, il ne me semble pas qu'il y ait eu autre chose que du coup de cœur. Voilà. Mais je me pose la question, et j'ai envie quand même d'en parler, je me pose la question de si, parce que je ne sais pas du tout si l'auteur a déjà prévu ça ou pas, mais j'anticipe. Si l'auteur sortait une saison 3, une saison 4, j'achèterais. Par contre, je tiens à le dire clairement, là maintenant comme ça, en ayant lu la saison 2, je me pose la question si une saison 5 arrivait. Je pense que par contre, là, l'auteur aurait essoufflé son histoire. En gros, qu'il aurait... comment on dit?
qu'il y aurait plus en fait de choses intéressantes à développer, je pense, au bout d'une cinquième saison. On va dire comme ça, hein, je pense que tu vois à peu près ce que je sous-entends. Mais voilà, je pense qu'une saison 3 et une saison 4 peut être très intéressante, peut développer encore mieux la série. Mais je pense pas qu'en 5 saisons, par contre, ça puisse être intéressant. Donc voilà. Mais après, c'est vraiment une hypothèse. Mais vu comment est tournée la saison 2, je me demande s'il n'y aurait pas une saison 3 de prévue. Donc voilà, j'anticipe un petit peu. Mais à l'heure actuelle, c'est comme ça que je pense. Après, peut-être qu'en lisant la saison 3 et la saison 4, s'il y en a une un jour, peut-être que je me dirais, ben non, en fait, il faut une saison 5. Mais voilà. Toujours est-il qu'en tout cas, du coup, la série, comme tu auras pu le remarquer, du coup, a été tout simplement un coup de cœur. Est-ce que je recommande cette série? Oui. Est-ce que si tu aimes Toru Fujisawa, je te conseille cette série encore plus parce qu'il faut vraiment pas la louper. Donc, du coup, on termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures. Et malgré le fait que j'ai aimé l'histoire, je n'ai pas aimé toutes les couvertures. Donc, je vais justement t'expliquer tout ça. Donc la couverture du tome 1, donc avec le logo qui est en or, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Par contre, je déteste vraiment les phrases qui est écrit sur le côté. On a le Kamen Teacher et après on a la moto derrière. Donc en fait ça fait un trop-plein d'informations et je trouve ça justement laid. En ce qui concerne l'arrière, à chaque fois on a la même image, donc ça je trouve ça sympa. Elle est assez particulière parce que c'est juste un mur en fait, mais c'est assez sympa avec le logo black, avec le symbole Black Teacher au centre, le résumé, donc franchement ça j'adore. Quand on enlève la jaquette, d'un côté on n'a rien, de l'autre côté on a la pub pour les dernières séries de l'auteur. Pub que l'on retrouve à chaque fois, on a exactement le même rendu pour les deux côtés de jaquette à chaque fois. Donc je ne te montrerai pas les autres fois, ça ne sert à rien. En ce qui concerne du coup le manga, bah, là aussi on a trop plein d'informations. Par contre on a zoomé sur l'image du Kamen Black Teacher, donc ça c'est plutôt sympa. L'arrière qui est toujours à chaque fois le même, voilà. Et quand on ouvre le manga, on a droit à une image couleur, et ça j'aime bien, sur papier glacé. Donc on a Araki, non, Araki, oui c'est ça, avec une de ses élèves, donc ça je trouve ça pas mal. Et après du coup, on a tout simplement la page des chapitres et l'histoire. Pour ce qui est du volume 2, pareil, on a toujours le trop-plein d'informations. On a le casque du Kamen Teacher et ses gants, je trouve ça sympa, donc voilà. Avec justement la tête de coupée volontairement, ça je trouve ça vraiment top parce que ça garde le suspense et tout ça. Mais le trop-plein d'informations avec des phrases par-dessus qui, à mes yeux, enlaidit la couverture. Donc je ne sais plus du tout si c'est exactement pareil pour la jaquette japonaise, mais personnellement j'en suis pas fan. Donc pareil, un zoom sur le casque, l'arrière qui est toujours pareil. Et ici on a donc d'abord la page avec le logo. Et après on a une page couleur avec les Kamen Teacher et un des personnages, je me rappelle même plus de son existence. Ah si, c'est un prof, il me semble. Je sais plus. Non, c'est le policier, pardon. Ok, c'est le policier. Et après, du coup, la page des chapitres en rouge. Et cette fois-ci, on attaque directement sur une page en noir et blanc pour le manga. Pour le volume 3, là, par contre, je commence à apprécier parce que, certes, on a un petit peu le texte, mais il est derrière les personnages. Donc ça, déjà, c'est bien mieux parce qu'on n'a pas tout le texte. De toute façon, ça doit être à chaque fois le même, j'ai l'impression. Mais je trouve ça bien plus intéressant d'avoir les personnages mis en avant. Le logo qui part dessus, c'est pas très gênant. Mais voilà, donc, toujours l'arrière pareil. La jaquette, c'est pareil. Et donc là, on a juste un zoom aussi très très moche. Parce que je vois à peine. Si, c'est le zoom du casque, c'est par là en fait. Voilà, ça doit être ça en fait, en image. Pareil, là en haut, on a le logo Kamen Black Teacher. Et ici, on a tout simplement un des personnages importants de la série avec Araki et la voiture de Mademoiselle. Et l'image justement de la couverture précédente mise en avant. Donc ça, je trouve ça sympa pour la première page. Ça permet de la voir sans tout le tralala. Et honnêtement, elle est bien mieux comme ça qu'avec le texte dessus. Pour la jaquette 4, toujours rien à dire. Le texte est à l'arrière. Et par-dessus, on a le dessin des personnages, puis le logo. Donc ça, c'est bien mieux quand même comme ça, franchement. Et donc, du coup, on a un des personnages les plus importants de ce volume avec le Kamen Teacher derrière. La page avec le logo.
et le Kamen Teacher avec Araki. Et on commence directement avec la page des chapitres, cette fois-ci qui est jaune, et voilà. Et pour terminer, la couverture 5 que je trouve aussi sublime. Toujours ce putain de texte que je ne peux plus me blairer à force. Franchement, j'ai peu... La première fois ça passait, le deuxième volume ça passait moins, mais là à force ça devient saoulant que ce soit tout pareil. Et on a un des personnages mis en avant et le logo du coup avec bien sûr là le chiffre. Donc ça je trouve ça sympa parce qu'en plus le chiffre, si j'avais pas fait vraiment attention, mais ça a l'air d'être vraiment l'imprimé du casque. Donc ça c'est plutôt agréable. En ce qui concerne... Donc en ce qui concerne la page couleur, on a un personnage qui est assez important dans ce volume, bien que je me rappelle plus trop de qui c'est exactement. J'ai un petit doute à cause de la couleur de cheveux et le Kamen Teacher mis derrière. Et ensuite on a du coup la page des chapitres et une petite histoire micro bonus qui fait juste 2 pages. Voilà, on a juste une petite histoire qui fait ça et ça en plus, mais qui n'est pas gênant du tout dans la lecture. Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve assez rapidement pour une autre histoire de Toru. Faut que j'y savoir parce que je n'ai pas encore tout lu. Sur ce, bye bye.